Lawrence Caruana, et je voudrais vous lire une partie de l'article qu'a écrit Annie Jeanneret, qui s'est beaucoup penchée. Non, ce n'est pas un article, c'est un petit topo. Un petit topo. Un petit topo que je vais vous lire. L'art visionnaire est méconnu en Europe. Il est aussi ancien que les premières esquisses des chamans sur les murs des grottes ou les spirales mystérieuses gravées sur les mégalithes. On en trouve des manifestations chez les Égyptiens, les Mésopotamiens, les Grecs anciens, les Aztèques, les Mayas, dans l'art hindou et bouddhique. Les sujets d'inspiration sont nombreux et variés. Ils procèdent du fantastique imaginaire naturel, vision, transe, état médiumnique, psychédélique, ou provoqué par diverses substances. La création, le déluge, le paradis et l'enfer, l'apocalypse, la mort et la renaissance, les gargouilles, les monstres, les cités idéales, les ruines anciennes, la folie, les rêves, les démons, les esprits, sont les leitmotifs essentiels de cet art et de l'imaginaire. Caruana Lawrence, ici présent, va vous dire quelques mots parce que je vais le laisser se présenter lui-même. Et tout à l'heure, vous aurez l'occasion dans la conférence qu'il va nous donner sur l'art visionnaire de peut-être mieux saisir le fil qui nous conduit d'hier à aujourd'hui vers cet art dont vous pouvez aujourd'hui admirer les tableaux. L'art visionnaire, qu'est-ce que c'est l'art visionnaire? C'est, je veux dire que pour moi, quand je vois l'art contemporain, comme dans les foires à Paris, le FIAC, ou, etc., je suis toujours déçu par ce que je vois. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de spiritualité ou de sacré dans l'art contemporain. Et je pense l'art visionnaire, et ce n'est pas seulement moi, c'est l'art visionnaire, ça date de longtemps. L'art visionnaire, c'est l'essai de conserver, de présenter le côté spirituel de la vie. Et ça a commencé comme était écrit dans le, je veux dire l'article, mais le petit... le topo. Le topo, que ça date des premières esquisses sur les murs, on a la grotte... de Darcy, pas loin d'ici, et là on peut voir à grotte Darcy, ses premiers essais d'exprimer. Et c'est toujours important qu'on trouve le moyen de voir ce qui n'est pas visible, de voir ce qui est sur l'autre côté, de voir, de chercher des réponses, des questions éternelles, comme qu'est-ce que se passe après la vie, comment ce monde a été créé. Ça, c'est les questions que concernées. Et donc on cherche dans les rêves, on cherche dans les visions, dans les mythes des plusieurs cultures pour trouver une réponse de ces questions éternelles. Pour moi, avec le temps, ce qui se passait, c'est chaque tableau que j'ai fait, qui est tellement personnel dans le sens que normalement c'est à partir d'un rêve ou d'une vision, que après le tableau est terminé, je le garde pour moi-même parce que au fil du temps, j'ai appris comment de faire les méditations sur les tableaux. Et c'est une tradition assez vieille, en fait, les bouddhistes et aussi les chrétiens dans le monde byzantin, ils ont toujours utilisé des tableaux, pas comme quelque chose à accrocher sur le mur parce qu'il est joli, mais comme un portail, comme un moyen d'accéder à l'autre monde. Et donc, moi, je pratique cette forme de méditation. Maintenant, j'enseigne aussi. Et j'enseigne comment on peut regarder avec un regard fixe le tableau pendant demi-heure, une heure, jusqu'au point qu'on ne regarde pas le tableau, on regarde ce qui est dans l'autre côté de la tableau. Okay, là, et on peut dire que c'est une vision, mais pour moi, c'est vraiment un monde. Il y a un monde sur cette tableau.